Hey, salut à tous, c'est Remented, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing, voilà, encore du courrier, voilà, j'ai encore reçu une lettre, voilà, moi je sais ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble, je vous propose qu'on ouvre ça ensemble, je vais peut-être pré-découper, après je zoomerai avec le téléphone comme j'ai fait la dernière fois, ce genre de vidéos seront rares, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, j'ai ouvert un petit coup la lettre, on va passer sur l'autre scène, et je vous montre ce qu'il y a dans la lettre tout simplement. Donc voilà, c'est bon, on est devant la lettre, je vous montre, voilà, il y a un petit sachet comme ça, j'ai l'impression que c'est entouré de scotch. Ouais, c'est entouré de scotch, hein. Je vais sûrement faire une petite ellipse histoire de décrocher le bout de scotch qui est tenu à l'enveloppe. Voilà, allez, petite ellipse, c'est parti. Et voilà, du coup, j'ai réussi à décrocher le truc. Effectivement, elle est très 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 entourée de scotch. Attendez, je vous fais le petit focus, voilà. Il est entouré de scotch. Et voilà, donc j'ai ma petite paire de ciseaux que vous deviez voir, voilà. Hop là, je vais couper. J'espère que je coupe rien d'important avec, imaginez. Moi je sais ce que c'est, mais voilà, vous ne le savez peut-être pas, je l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, alors je sais pas si vous voyez, vous. Voilà, il y a une petite cartouche. Je vais l'enlever tout simplement. Ah, il y a une petite étiquette 7. Il faudrait que je l'enlève. S'il te plaît, fais le focus. Voilà. Donc on fait le focus. Ok, j'ai compris. Petit focus. Voilà. Donc c'est une cartouche, voilà. Et qu'est-ce que c'est comme cartouche de jeu? Donc c'est une cartouche de DS déjà. Et c'est Pokémon, Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Donc normalement, oui, européenne, c'est-à-dire que c'est en français, logique. Donc voilà, c'est un jeu qui va rejoindre sa boîte ici. J'enlèverai l'étiquette plus tard. Hein. Avec du produit, ça n'a pas l'air d'être très grave, ou même je vais la laisser, ça va pas gêner au fonctionnement normalement. Donc voilà, la petite cartouche, elle est bien. Voilà, donc on va la mettre dans la boîte, c'est parti. Et donc voilà, j'ai la cartouche qui est là, hop, fais-moi un petit focus, merci, hop là. Donc on va la mettre dans la boîte qui est ici, tout simplement. Donc j'ai plus de la notice, malheureusement. Voilà, c'est une bête, c'est une boîte qui date, voilà. D'ailleurs, je crois que c'était même mon premier jeu Pokémon. Que j'ai eu sur DS, qui était sorti sur DS même. Je pense que c'est le premier jeu Pokémon sorti sur DS. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire au passage qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, ceux qui ont déjà essayé. Et ceux qui aimeraient l'essayer, dites-moi si ça vous plairait. Dites-moi quel a été votre premier jeu Pokémon sur DS, ou même votre premier jeu sur DS tout court, si vous vous en rappelez. Dites-moi quel est votre donjon mystère préféré et votre jeu Pokémon préféré au passage, ce serait pas mal. Je vous laisse dire ça dans les commentaires, ils sont faits pour ça. On se fera sûrement un let's play dans pas longtemps, peut-être que quand j'aurai terminé Explorateur du Ciel. Mais je sais, c'est pas logique, je vais faire Explorateur du équipe de secours bleu après. Peut-être que je ferai les deux en même temps, on verra. Peut-être en live. Bref, pour ça, faut que je fasse un layout et tout et tout. Bref, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Voilà, il n'y en aura pas souvent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bref, ça dépend à quelle heure tu regardes ça. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, hein, tu n'es pas obligé à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description et moi je vous dis à la prochaine.